Hey, salut à tous, c'est Defix, j'espère que vous allez bien les gens. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante. Dans cette vidéo je vais aborder pas mal de choses, quelques sujets. Donc je vous demanderai vraiment de rester jusqu'au bout parce qu'il y a pas mal de choses que je vais dire qui est très important. Et puis voilà. Donc juste avant qu'on commence, je tenais quand même à vous remercier pour cette année 2018. Et vous souhaiter aussi une bonne année 2019. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont soutenu durant toute l'année. Merci beaucoup, j'espère sincèrement qu'en 2019, les choses vont continuer dans le bon sens. Et d'ailleurs, petite parenthèse avant qu'on commence le vif du sujet, parce que voilà, c'est très récent. Et du coup, je profite de cette vidéo pour vous annoncer comme quoi je suis passé affilié chez Twitch. Donc, c'est peut-être anodin, peut-être banal pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a ultra motivé pour la suite. Du coup, en 2019, je vais continuer à fond avec les lives sur Twitch. Peut-être que de temps en temps, une fois par-ci, par-là, un live sur YouTube, mais j'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis passé en tant qu'affilié chez Twitch. Donc maintenant, il y a la possibilité de sub. Je suis en train d'essayer de mettre en place des emotes et des badges pour les subs. D'ailleurs, je cherche quelqu'un qui sait faire des genres de trucs. Donc si vous savez faire, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ou me contacter directement sur Twitch, Twitter ou Discord. De préférence, Discord et Twitter parce que je suis très actif là-dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Je vais aussi mettre en place un concours pour les subs. Lorsqu'on aura atteint les 10 subs sur la chaîne, je ferai un concours, je pense, pour gagner des V-Bucks. Parce qu'au final, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Après, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, vous me direz dans l'espace commentaire pour les subs. Mais voilà, en tout cas, je pensais faire gagner 2500 V-Bucks à quelqu'un parmi les subs. Donc voilà, ça va se faire lorsque j'aurai atteint les 10 abonnés. Enfin, les 10 subs, donc voilà. De toute façon, tout est en description, les gens, si jamais ça vous intéresse de me suivre dans mes lives, de me soutenir, n'hésitez vraiment pas à rejoindre Twitch. C'est là que je fais régulièrement des lives, donc voilà. Et du coup, revenons au sujet principal de cette vidéo, qui est vraiment mon projet que j'ai commencé à travailler il y a plusieurs semaines, voire mois maintenant. Donc, il faut savoir que c'est un projet que je rêve de le faire depuis des années déjà, vraiment. Même au tout début de YouTube, c'était quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et du coup, en fait, récemment, il y a quelques mois maintenant en arrière, j'ai un pote IRL qui a justement commencé un peu le streaming. J'ai un peu motivé à commencer là-dedans. Puis il s'est lancé, il aime beaucoup ça. Il se lance un petit peu maintenant sur YouTube. Donc, de toute façon, je mettrai aussi sa chaîne en description si vous voulez aller voir. Si vous voulez soutenir aussi, ça le ferait énormément plaisir. Mais voilà. Du coup, j'en ai discuté avec lui. J'ai parlé de mon projet, ce que j'avais envie de faire. Il s'est dit, il est partant. Du coup, on a commencé à lancer ça à deux. Donc, le projet, il s'appelle Swiss Gamers Assembly. Et il faut savoir qu'en fait, les bases de ce projet, c'est deux choses. Donc, le premier, c'est de rassembler les gens. Et le deuxième, c'est vraiment de montrer une autre image du gaming, notamment en Suisse. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est principalement basé en Suisse que c'est interdit aux Français ou peu importe. Vraiment pas, au contraire. Et d'ailleurs, vraiment, petite parenthèse, j'espère vraiment du fond du cœur, les gens, que vous êtes nombreux à me soutenir dans ce projet. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, voilà. Du coup, concrètement, c'est un projet que je tenais à mettre en place. Il y a pas mal de choses qui sont en cours de création, notamment la bannière, le logo et tout ce qui va avec. D'ailleurs, on cherche activement quelqu'un qui sait gérer tout ça, qui sait créer, justement. Donc, si vous savez faire un bon truc propre, n'hésitez pas à m'envoyer vos démos ou bien même me contacter directement en message privé sur Discord, qu'on en discute, que je vous fais part de mes envies, enfin de nos envies surtout. Mais voilà. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce Swiss Gamers Assembly? C'est très simple. Donc on va faire principalement des lives sur Twitch et sur différents jeux, que ce soit Fortnite, League of Legends, Minecraft, peu importe le jeu, vraiment Red Dead, c'est vraiment pas important le jeu. Et en fait, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est que lorsqu'on aura fait la connaissance de plusieurs personnes, qu'on aura confiance, le but c'est que chaque personne puisse justement de temps en temps stream sur la chaîne Twitch. Comme ça, ça montre qu'elle fait partie de la communauté. Et vraiment, le but c'est vraiment de partager un maximum. Donc on va essayer de mettre ça en place. Je sais pas quand ça va être mis en place, vraiment l'opportunité aux gens de venir stream sur la chaîne, mais ça va se faire, voilà. Ensuite, quelque chose aussi qui va se faire, c'est des émissions en live avec rediffusion sur YouTube. Il faut savoir que c'est quelque chose, des envies, vraiment tout ce que je vous propose là, c'est des choses que j'avais toujours envie de le faire. Je sais très bien que c'est pas quelque chose qui va révolutionner, au contraire, loin de là, mais j'avais envie de me lancer là-dedans parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, le partage, l'échange. Et du coup, si vous avez des idées d'émissions, peu importe, n'hésitez pas à me les dire, pas sur l'espace commentaire,
parce que voilà, c'est pas trop en rapport, même si je prendrais en compte. Mais idéalement, ce serait d'aller sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous en parlerai plus tard des réseaux sociaux, mais voilà. Ensuite, on fera des petites émissions par-ci par-là avec rédiffusion sur YouTube. On fera intervenir que ce soit des abonnés. On va essayer peut-être de rentrer en contact avec certaines structures et tout. Avant, on va essayer de mettre ça en place. Et enfin, la deuxième chose aussi que je voulais faire déjà sur ma chaîne, que malheureusement j'ai jamais fait, j'ai pas osé en fait, c'est peut-être bête, j'ai jamais osé, mais je sais qu'avec le Suisse Gamers Assembly, je pourrais le faire tranquillement, sans prise de tête entre guillemets, c'est de caster des événements. J'envisage aussi notamment de caster des gros événements sur Fortnite. Après, s'il y a d'autres personnes qui se sentent à l'aise à caster d'autres jeux, pourquoi pas, il y a toujours la possibilité. On va essayer vraiment de mettre en place un maximum ce genre de trucs. Et aussi quelque chose qu'on va essayer de faire aussi, après c'est compliqué parce que nous on habite en Suisse et puis il n'y a pas forcément beaucoup d'événements comme en France, mais c'est de pouvoir s'y rendre à des salons comme la Paris Games Week et de pouvoir faire un mini reportage par-ci par-là. Après ici on sait que le royaume du web, c'est quelque chose que ça fait 2 ans que j'ai envie d'y aller, je vais jamais, mais voilà. En tout cas je vais aussi essayer d'aller à la Paris Games Week cette année. On verra si ça marche bien, donc voilà. Ensuite, un autre objectif, ce serait d'ici une année d'organiser une première LAN. Alors bien évidemment, ça ne sera pas une LAN de fou, mais vraiment, on essaie de trouver des personnes qui sont motivées à organiser sur un week-end, un truc ultra simple, mais fun. Et pourquoi pas essayer de cast en fait, enfin pas de cast, mais de faire en live au même temps. Du coup, voilà, on ne sait pas quand il y aura cette LAN. On peut rien dire parce que vraiment on est au tout début du projet, donc voilà. Ensuite, concernant les réseaux sociaux, c'est très simple. Donc il y a Twitter, Twitch, YouTube, Discord et Facebook. Tout en description de cette vidéo si jamais vous voulez le rejoindre. Donc voilà. Ensuite, avant, je vous avais parlé un petit peu concernant qu'on cherchait des modos, enfin pas des modos, mais des graphistes pour faire bannière, logo, tout ça. On va aussi mettre en place un staff. Donc le staff, ce sera généralement les personnes vraiment de confiance sur qui on peut compter. Et après, on va aussi mettre en place des modos, que ce soit sur Twitter, il n'y a pas le besoin, mais surtout sur Twitch, YouTube, Facebook, je sais pas, on verra. Et sur Discord, donc voilà, vraiment ces trois, sur ces trois réseaux-là. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre vraiment le Discord parce que c'est là que tout va se passer. On va commencer à discuter, à avoir vos retours, des idées. Si justement vous avez des idées par rapport à un truc, une proposition d'amélioration ou autre, n'hésitez pas. Pour nous, c'est ultra important. Donc voilà. J'ai pas envie de m'attarder trop là-dessus parce qu'au fur et à mesure, on va mettre en place, on va faire des premières vidéos sur la chaîne pour présenter concrètement le truc. Mais voilà. J'espère vraiment pouvoir compter sur vous parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ce projet. J'attends vraiment pas à devenir populaire, ça, loin de là, vraiment. Tout ce que j'ai envie, c'est de pouvoir avoir une communauté où on peut s'amuser, rigoler, échanger des choses, apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouveaux jeux et pourquoi pas dans l'avenir, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, apporter en plus. Donc voilà. Du coup, ça s'appelle Swiss Gamers Assembly, tout est en description de cette vidéo. J'espère vraiment pouvoir compter sur vous. Si vous avez des questions par rapport à Twitch ou sur Swiss Gamers Assembly, n'hésitez pas. Et puis voilà. J'espère avoir fait le tour. De toute façon, au fur et à mesure, je vais commencer à mettre d'autres infos sur mes pages principales, enfin sur mes réseaux sociaux privés, comme ce soit sur la chaîne IDFX, Twitch, tout ça. Donc voilà. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu pour encourager la chaîne. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, les gens, prenez soin de vous. Et encore une fois, une très bonne année 2019 à vous tous. Donc voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.